Jean-Pierre Robin, cette formation, elle aura lieu aussi pour les professeurs du privé Cette formation n'aura pas lieu pour les formateurs du privé parce que leur formation continue ne dépend pas de l'éducation nationale. Mais est-ce que c'est pas là qu'il y en a le plus besoin euh... Effectivement intéressant que les formateurs, les, les professeurs du privé connaissent la laïcité, les valeurs de la République. Euh, ça fait partie d'ailleurs du programme euh, d'éducation morale et civique qui est le même dans le privé sous contrat et, et dans le et dans le public. Mais euh, on ne peut pas contraindre les autorités diocésaines, par exemple pour euh, les, les catholiques et l'enseignement catholique, euh, à suivre un programme de formation continue. C'est un peu un angle mort quand même, non euh, c'est pas dans l'enseignement catholique sous contrat que se produisent. Non, mais je veux dire les écoles privées en général, parce qu'en effet, c'est quand même un angle mort, le fait que les professeurs qui sont dans ces écoles-là, alors qu'elles soient de confession catholique, musulmane ou juive, n'aient pas justement cette formation sur la laïcité, non Oui, mais c'est par le dialogue avec les autorités religieuses qui, qui pilotent ces écoles que l'on peut y arriver. C'est certainement pas par une loi ou un décret, en tout cas par la, par la contrainte. Ça